Est-ce que le Bayern de Munich s'est trompé en prenant Thomas Tuchel? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va parler de Thomas Tuchel, les gars. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, tu le sais bien. Si c'est chez nous, on parle de foot. Si c'est chez nous, on est passionné de foot. Donc, si tu es intéressé par la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est fait, on est parti. Alors, les gars, il faut le souligner, il y a à peine un mois, à peine 2 mois, le Bayern de Munich a viré Nagelsmann pour mettre Thomas Tuchel. Et là, sur le papier, ça semblait être un très bon deal parce que Thomas Tuchel, c'est un mec qui a gagné à Chelsea, c'est un mec qui a l'expérience, c'est un mec qui connaît la Bundesliga, il parle allemand, il est allemand, etc. Sur le papier, ça semblait être un bon deal. Mais forcé de constater que ça a été catastrophique, les gars. Catastrophique parce que lorsque Thomas Tuchel prend le Bayern de Munich, le Bayern de Munich est sur le point de faire le triplé. Certes, en championnat, ils sont deuxièmes, mais ils sont deuxièmes avec un point de retard sur Dortmund et il y avait encore beaucoup de matchs. Il y avait encore beaucoup de matchs, notamment la confrontation Bayern-Dortmund. Donc, il y avait les matchs pour pouvoir revenir. Sauf que lorsque Thomas Tuchel prend le Bayern de Munich, il s'est fait éliminer en Coupe par Freiburg. Ensuite, il s'est fait éliminer en Champions League par Manchester City. Il fait même l'espoir de perdre le championnat parce qu'à mon avis, le Bayern va perdre le championnat, sauf vraiment miracle. Il faudrait miracle pour que le Bayern puisse remporter le championnat parce que la dernière journée de Dortmund, c'est à domicile. C'est à domicile et je vois mal Dortmund n'est pas gagné son dernier match. Du coup, donc, le Bayern ne sera pas champion, à mon avis. Ticket du triplé, d'un potentiel triplé, un potentiel triplé à une saison blanche. Franchement, pour moi, c'est vraiment une erreur. On loue souvent les qualités du Bayern en disant que non, le Bayern, c'est une institution, etc. Mais pour le coup, ici, le Bayern s'est trompé. Ils sont trompés et franchement, ils n'ont pas respecté le football. À un moment donné, quand tu ne respectes pas le football, tu payes cash. Tu payes cash parce que c'est inadmissible que Nagelsmann était en voie de faire le triplé. Il avait plus ou moins les bons résultats et tout d'un coup, vous le virez. Vous le virez. À un moment donné, vous allez payer sa cash. Et le Bayern est en train de le payer. Il le paye. C'est dommage de voir le Bayern passer une saison blanche. Je ne sais plus combien de temps ça n'était plus arrivé au Bayern. En tout cas, partage-moi ton ressenti en commentaire. Est-ce que tu penses que le choix de virer Nagelsmann pour mettre Tuchel, c'était une mauvaise idée pour le Bayern? Partage-moi ton ressenti en commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. C'est ça, on se dit à très bientôt pour une autre vidéo, les amis. Ciao, ciao.